Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Babine se rappelle par Jésus pour un arbre. C'est toujours une joie pour nous de communier avec vous. Et nous prions que le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous conduise ce soir. Nous ne cessons de prier que votre lumière luise. Que la faveur divine soit multipliée dans vos différentes familles. Et que le Seigneur continue à toucher tout un chacun pour, afin que le bonheur familial soit une réalité. Ces dernières semaines, nous parlons de l'amertume. L'amertume, un poison destructeur pour les relations humaines. L'amertume, un poison destructeur pour même les familles. Et nous avions dit que l'amertume part toujours d'une offense. Une offense, c'est quoi? C'est une parole négative ou un acte négatif que quelqu'un pose à notre endroit. À partir du moment où un acte négatif a été posé contre nous, ou que nous recevons des paroles négatives, il s'ensuit une certaine émotion négative, bien entendu. Et souvent, l'émotion est violente. Et suite à l'émotion, il y a une blessure qui s'installe. Une blessure émotionnelle. Une blessure tapis dans le cœur. Jusqu'à ce niveau-là, nous sommes à l'offense. L'offense qui s'est produite et il y a un offenseur et quelqu'un qui a été offensé. Donc déjà à ce niveau, si nous réagissons de la bonne façon, réagir de la bonne façon, c'est quoi? C'est de se ressaisir. Réagir de la bonne façon, c'est quoi? C'est contrôler ses émotions. Il faut sourire. C'est rester ferme dans la parole de Dieu. Et tout de suite voir quelles sont les réactions que nous devons avoir. Ici, la réaction, la bonne réaction, c'est de nous dire que nous ne devons pas répondre au mal par le mal. La bonne réaction, c'est quoi? C'est d'aller dans la parole de Dieu. C'est de se réfugier dans la parole de Dieu. C'est de courir vers la parole de Dieu. Et regarder à qu'est-ce que Dieu me dit quand je me sens offensé, quand je suis blessé. Et une des premières réponses, c'est que Dieu nous dit, dans Romains 13, verset 8, par exemple, Dieu nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime, les autres, accompli la loi. Donc, nous restons devant la parole de Dieu. Voici un verset biblique qui est encourageant pour nous. Un verset biblique qui nous exhorte déjà dans la situation où nous nous sentons blessés, où nous nous sentons offensés. Cette parole est là pour nous dire que je dois aimer l'offenseur malgré ce qu'il a fait. Et cette parole, en restant devant cette parole, en méditant sur cette parole, qu'est-ce que je vais me dire encore? Je vais me dire que ce verset aussi peut être traduit par ceci. Si Dieu dit ne devez rien, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de dette. N'ayez pas de dette envers
personne. Sinon, la dette de l'amour. Les uns vis-à-vis des autres. Et encore, je me dirais, celui qui aime les autres obéit complètement à ce que la loi a ordonné. Voici une parole qui peut m'encourager. Je ne dois que aimer les autres. Et puis, je vais tout mettre en œuvre pour ne pas maudire. Parce que dans le, quand nous recevons un coup, une parole négative, si nous sommes victimes d'un abus verbal, ou encore si nous sommes victimes d'un acte qu'on a posé à notre endroit et qui nous conduit dans une émotion négative, une émotion même vive, nous sommes souvent tentés de parler mal, de répondre au mal par le mal, de répondre au coup par le coup, de répondre à la mauvaise parole par une mauvaise parole. Et c'est là encore que nous allons encore dire qu'est-ce que Dieu me dit quand on me maudit, quand on me parle mal, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est là où je vais aller dans Romains 12 verset 14 où il est dit: bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Donc je bénis celui qui m'a fait du mal. La parole de Dieu m'exhorte à ne pas maudire. La parole de Dieu m'exhorte devant celui qui me persécute, devant celui qui me fait du mal, à bénir. Et là, je serai en train de prendre, d'emprunter la voie de Dieu. Je serai en train de me soumettre à la parole de Dieu. Et je vais aller plus loin pour regarder dans Romains 12, à partir du verset 17, où il est dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne. Quel que soit ce qu'on me fait, je ne dois pas rendre le mal pour le mal. Et la parole de Dieu dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix. Ce n'est pas forcément au moment où tout le monde vous fait du bien. Ce n'est pas forcément au moment où nous sommes en train de rire avec les autres. Mais c'est aussi au moment où nous sentons et offensé. Je dois tout mettre en ordre, en œuvre pour être en paix avec tous les hommes. Et la parole de Dieu dit: ne vous vengez pas sur tout. Vous-même, ne vous vengez pas. Et Dieu dit: bien-aimé, laissez agir la colère de Dieu. Bien-aimé, la vengeance ne doit pas être un maître mot dans votre vie. Ne laissez pas l'esprit de vengeance s'installer dans votre cœur. Parce que si l'esprit de vengeance est toujours à la porte, et l'esprit de vengeance cherche toujours à s'installer sur un fauteuil d'amertume. Quand l'amertume est dans ton cœur, c'est comme un fauteuil qui est bien préparé et qui attire l'esprit de vengeance. Et l'esprit de vengeance, quand il s'installe confortablement sur ce fauteuil d'amertume, il va en ce moment s'apprêter et chercher toutes les bonnes occasions pour que tu sois poussé à te venger. Et il fera tout cet esprit de vengeance-là pour te pousser, pour te montrer des occasions et pour même t'inspirer des stratégies, pour te dire devant les situations qu'est-ce qu'il faut faire pour te venger. Parce que on t'a fait du mal. Et ce qui est tout à fait normal, c'est que tu te venges. Mais Dieu dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ton Seigneur qui dit, et c'est mon Seigneur qui le dit. Il dit: laissez agir la colère, ne vous vengez point vous-même. Donc quand je m'installe
devant la parole de Dieu. Je suis en train de communier avec l'Esprit de Dieu qui est en train de me montrer le chemin, qui est en train de me dire ne sois pas vaincu par le mal, mais fais en sorte de combattre le mal par le bien. Combat le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Ne te laisse jamais vaincre par le mal. Et ça, nous le voyons dans Romains 12, verset 21. Donc, voici la parole de Dieu va m'exhorter à demeurer dans le calme, à demeurer dans le silence même devant la situation, devant l'offense. Mais là, si je ne me réfugie pas rapidement dans la parole de Dieu, la chair va me pousser à rentrer dans une blessure et qui va se prolonger, surtout quand l'offense n'est pas pardonnée. Tout de suite, je vais avancer vers l'amertume. Donc, l'amertume, on ne se lève pas le même jour, malgré les situations qui arrivent, tomber dans l'amertume. L'amertume vient toujours d'une offense qui n'a pas été pardonnée. Nous subissons des offenses quand nous n'avons pas le réflexe de nous débarrasser des émotions négatives, de nous débarrasser des blessures, en allant rapidement vers celui qui nous a offensés et en faisant la paix. N'attendons pas toujours que ce soit celui-là qui nous a offensés qui vienne vers nous. Nous savons que ça peut paraître un peu difficile, mais nous devons être matures et sages pour comprendre que quand nous laissons l'amertume s'installer dans notre cœur, nous ne sommes plus un homme ou une femme libre. Non, il est hors de question qu'on dise que l'amertume est dans notre cœur et qu'on soit libre. Parce que dès que nous laissons la blessure, si nous ne résolvons pas la situation, si nous n'allons pas vers celui qui nous a offensé, il y a des situations où l'offenseur va revenir dire que présenter ses excuses, chercher à réparer ce qu'il a fait, chercher à demander même pardon. Ça, c'est les cas heureux. Mais dans la plupart du cas, l'offenseur ne revient pas. Il ne va pas revenir pour venir te demander pardon. Et même qu'il peut se retrouver en train de dire, mais pour qui tu te prends? Il dit, mais si j'ai eu une autre occasion, je vais le faire. On entend des gens dire. Des gens dire ça. S'ils ont d'autres opportunités, ils vont même te blesser. Mais donc, en ce moment-là, tu dois comprendre que c'est même exprès pour te nuire. Mais comme c'est exprès pour te nuire, en ce moment, tu dois te retrancher de leur voix. Sois mature, sois intelligent, spirituellement intelligent, sois sage. Et en ce moment-là, ce n'est pas de la faiblesse, non, c'est de la maturité, c'est avoir de la hauteur, c'est aller vers celui qui t'a offensé et lui dire, oui, voici cette situation s'est passée et je viens vers toi parce que peut-être qu'on ne s'est pas bien compris ou peut-être que tu n'as pas réalisé ce qui s'est passé, mais moi je viens pour que rétablir la paix. Je viens pour que nous puissions reprendre. En ce moment, tu es celui-là qui est le plus victorieux. Tu es dans le triomphe en ce moment. Parce que tu as quitté une situation où tu attendais normalement que ce soit lui qui vienne vers toi. Mais toi, tu l'as devancé. Et devant Dieu, tu as plus de mérite que lui. Parce que tu es parti vers lui et tu es parti t'humilier pour qu'il y ait la paix. Puisque Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Et ce qu'il veut, c'est que nous nous humilions comme Christ s'est humilié pour que nous nous soyons sauvés. Donc, en empruntant, en s'inscrivant dans cette voie-là, en se soumettant à ce que Christ a fait. Il est le modèle que nous devons suivre. En se soumettant à ce qu'il a fait, nous avons de la hauteur. Nous avons
le mérite devant Dieu. Et il faut être intelligent pour ne pas être en train de trimballer quelqu'un dans ton cœur pendant tout le temps. Tant que tu n'as pas réglé les situations de blessures, tant que tu n'as pas pardonné à l'offenseur, tant que tu ne t'es pas libéré de ce qui s'est passé, de l'offense, tu es sur la voie de l'amertume qui va forcément s'installer. Puisque quand une situation se passe, qu'est-ce qui va se produire? On est tenté d'être tout le temps là en train de méditer, de ressasser la situation de Dieu. Comment il a pu me faire ça? Comment il a pu me faire ça? Mais regarde, moi là, comment on peut me faire ça? Et ça, c'est encore là ceux qui sont un peu forts. Mais sinon, certains, tout de suite, dans un culte de la victime, et ils sont en train de demander que, mais ça là, ça ne devait pas m'arriver. Comment il m'a fait ça? Et puis, tu tombes dans le culte de la victime. Tu es tout le temps en train de te rappeler ces choses. Et la blessure continue à s'étendre. Et l'amertume commence maintenant à s'enfoncer dans ton cœur pour faire des racines. Et une racine qui va commencer à s'ancrer en toi. Et quand c'est ainsi, tu n'as pas le choix que d'être malheureux. Faut pas tarder pour en date un peu les problèmes. Là, tu t'es créé des problèmes. Et c'est pourquoi, y a rien qui te rapidement, tu dois te libérer. Faut certainement y ressortir. Parce que tu es en train de te libérer. Bah, faut y aller maintenant. Même de l'offenseur. Bah, parce que l'offenseur là, bah, il va être dans ton cœur. Tant que tu n'as pas réglé, il est dans ton cœur. Vous baladez ensemble. Tu dors avec lui. Puisque quand tu te couches, bah, faut en garder. Par moment, tu penses à lui. Okay. Quand tu te lèves, tu te balades avec lui. Donc, voici un fardeau que tu trimbales. Tu commences ta journée. Au lieu de te dire, comme Jérémie l'a dit dans Lamentations 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les jours. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Toi, tu ne peux plus dire ça. Parce que tu es en train de trimballer un fardeau. Tu es en train de trimballer quelqu'un avec toi. Dans ton cœur, c'est lourd. Et donc, tu passes la journée avec lui. Tu vas au travail, tu es avec lui. Parce que quand tu vas penser à lui, ta journée est gâchée. Même au service, tu penses à cette personne qui t'a offensé, tout de suite tu renfrognes ta mine. Ta mine change. Tu deviens triste. Tu ne peux plus bien faire ton travail. Et tu ne peux plus avoir même de bonnes relations. Tu ne peux plus être pétillant comme tu l'étais. Tout simplement parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. C'est l'offenseur qui t'a offensé. Mais toi, tu n'as pas été intelligent. Tu n'as pas été mature pour te libérer de cet offenseur. Et c'est une victoire quand on se libère de l'offenseur. Mais quand tu ne le fais pas, ça devient un problème. Il faut qu'on le comprenne. C'est quand ça devient un problème, il y a des conséquences. Des conséquences sur le plan émotionnel. Il y a le droit de ton ici, tu es morne. Quand on te voit, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des conséquences sur le plan et même de la santé. Beaucoup de maladies aujourd'hui sont les conséquences de l'amertume. Il y a des maladies que les médecins mettent sous le nom de maladies psychosomatiques. Et plusieurs de ces maladies-là, les hypertensions, et puis les ulcères d'estomac, et d'autres maladies, au niveau des articulations, et qui sont la représentation des liens, des relations entre les personnes. Quand il y a des arthroses, des arthrites et toutes ces maladies des articulations, souvent il faut s'arrêter pour voir est-ce que tout va bien dans ta vie. Donc toutes ces maladies-là sont des conséquences. Des conséquences de l'amertume. Et donc,
et sur le plan aussi même de la procréation, l'amertume, quand elle s'installe dans le cœur d'une femme, elle devient un bouchon qui bouche ses entrailles. À libre de bouche, et c'est pourquoi certaines femmes qui sont dites stériles, elles doivent examiner dans leur cœur. Oui. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais il faut toujours regarder s'il n'y a pas d'amertume à déloger. Surtout avec parce que l'amertume vient comme un bouchon qui bouche les entrailles et qui vous empêche d'emporter. Donc, regardez bien. Quand vous arrivez à déloger l'amertume, c'est comme si vous faites péter ce bouchon-là. Vous enlevez ce bouchon et en ce moment, vous voyez que l'enfant qui est attendu commence à partir. Même sur le plan intime, l'amertume a ses conséquences. Et puis donc le couple devient épuisé, tout devient fade. Et en ce moment-là, il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas d'amertume. Regardez bien, les conséquences sont énormes. Et aujourd'hui, nous voulons nous apesantir sur les conséquences de l'amertume dans notre relation avec Dieu. Parce qu'il y a plusieurs... Et l'amertume a des conséquences sur plusieurs plans. Mais sur le plan spirituel, dans notre relation avec Dieu, quelles sont les conséquences de l'amertume? Il faut que nous comprenions que l'amertume a des conséquences par rapport à notre relation avec Dieu. Puisque, regardez, la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, voici, le Père Céleste nous pardonnera si nous nous pardonnons les offenses des autres. Mais la parole est claire. Si nous refusons de pardonner, lui aussi ne peut pas nous pardonner. Donc vous voyez, donc ça veut dire que si nous retenons les certaines personnes qui nous ont offensés à cause de ce qu'elles ont fait, en ce moment-là, nous refusons de pardonner. La parole de Dieu dit, si nous refusons de pardonner aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste aussi ne peut pas nous pardonner. Parce que nous, nous refusons de pardonner. Si tu refuses de pardonner aux autres, Dieu ne peut pas te pardonner. Et en ce moment, le ciel est fermé. Le ciel est fermé au-dessus de ta tête. Et tes prières ne peuvent pas être exaucées. Voici une des conséquences. Quand nous examinons cela, déjà à ce niveau, voici une bonne raison pour ne pas que quelqu'un empêche que tes prières ne soient exaucées. Parce que si tu ne pardonnes pas, les offenses des autres, Dieu ne va pas te pardonner. Le ciel est fermé sur toi et tes prières ne sont pas exaucées. Qu'est-ce qu'il peut faire que je puisse comprendre cela dans la parole de Dieu, mais m'entêter à ne pas pardonner? Donc, faites le point. Ce que je perds en ne pardonnant pas est énorme. Donc, toutes mes bénédictions, beaucoup de choses que je peux demander facilement à Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu ne va pas me pardonner, mes prières ne sont pas exaucées. Le ciel est fermé sur toi. Donc, pensez-y. Réfléchissons-y. Qu'est-ce que tu es en train de demander depuis longtemps à Dieu? Et tu vois qu'il n'y a pas d'exaucement. Et tu ne t'arrêtes pas pour voir qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'exaucement. Combien d'entre nous
écoutons ce soir-là sont bloqués simplement dans nos prières parce que nous n'avons pas pardonné comme Dieu veut que nous pardonnions. Et vous êtes en train de prier pour de gros projets. Vous êtes en train de prier pour vos enfants. Vous ne vous imaginez même pas que vos enfants même sont bloqués. Que vous-même vous êtes bloqués. Que certaines situations familiales sont bloquées. Que certaines situations professionnelles sont bloquées. Et vous priez en vain. Mais vous ne vous arrêtez pas pour comprendre que quelque part, vous n'avez pas pardonné à des gens que vous avez emprisonnés dans votre cœur. Voici une conséquence sur laquelle nous devons nous arrêter et essayer de comprendre que nous perdons gros si nous ne pardonnons pas. Et quand nous ne pardonnons pas aux offenses des autres, sur le plan spirituel, dans notre relation avec Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et au verset 27 de Éphésiens 4, la parole de Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous ne pardonnons pas aux offenses des autres, nous ouvrons la porte au diable et à ses démons. Et le diable, la Jean 10, 10 dit que son cahier de charge, c'est de détruire, égorger, voler. Donc tout ce qui a de précieux, parce qu'on ne vole pas ce qui n'a pas de valeur. Si le diable veut voler quelque chose dans ta vie, il va viser quelque chose qui a de la valeur dans ta vie. Donc lui, dès que tu lui fais une brèche, il va égorger, détruire, il va voler, parce que Jean 10, 10 décrit son cahier de charge. Et c'est toi qui attristes le Saint-Esprit parce que tu refuses de pardonner, parce que tu as préféré prendre la voie de l'amertume. En ce moment-là, le diable a tout le loisir de t'attaquer. Et c'est pourquoi certaines personnes qui courent pour des délivrances. Oui, la délivrance, c'est normal. Mais est-ce que vous n'avez pas ouvert la porte aux oppressions démoniaques? Est-ce que vous n'avez pas ouvert la porte? Parce que sur le plan spirituel, vous n'êtes plus protégé. Dans votre relation avec Dieu, vous n'êtes plus protégé. Donc, en ce moment-là, vous avez ouvert la porte aux oppressions démoniaques. Et en ce moment-là, on peut prier pour vous. Mais, là, tant que vous ne pardonnez pas, l'ennemi qui connaît toutes choses, parce qu'on ne peut pas se tromper soi-même, on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper le diable. Voici trois niveaux que nous ne pouvons pas tromper. On ne peut pas se tromper soi-même. Tu sais, au moment où nous parlons, que dans ton cœur, il y a l'amertume. Il y a de l'amertume. On t'a offensé à plusieurs reprises. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez été offensé à plusieurs reprises. Mais au même moment, la parole de Dieu dit non, ne t'arrête pas à ces offenses. Non, bénis, ne maudis pas et pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, lui ne peut pas te pardonner. Et si tu ne peux pas te pardonner, le ciel est fermé sur toi. Je sais ça, je ne veux pas être bête. Non, pour dire que m'accrocher sur ma raison et puis laisser mes bénédictions s'envoler. Soyons sages. Libérons-nous de l'amertume. Parce que dès qu'on prend cette voie-là, tout commence à se bloquer. Et vous avez prié, prié. Jusqu'à présent, vous voyez que vous n'avez pas de résultat dans certaines prières. Mais arrêtez-vous, examinez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? La parole de Dieu dit, dans le psaume 65, « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Et il dit dans au verset 6, au verset 6 du psaume 65, que ce n'est pas des prodiges qui répondent à nos prières. Mais pourquoi toi, tes prières ne sont pas écoutées? Ah oui. Là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et chercher, regarder. Mais déjà au moment où nous parlons, vous voyez comment dans votre cœur, certaines choses s'élèvent déjà. Parce que déjà vous pensez à ces offenseurs-là, vous pensez à ces gens-là. Non, libérez-les. Votre vie est trop précieuse.
vos projets sont trop importants la pour que vous les laissez être bloqués à cause de ceux-là qui vous ont fait du mal. Parce qu'en plus, le manque de pardon sous le calme qui conduit à l'amertume. Ce poison-là, c'est un petit feu qu'il vous détruit. Il vient à petit feu. Parce qu'à un moment, vous avez l'impression que c'est passé. Vous ne voulez même pas penser à cela. Mais votre vie se bloque de plus en plus. Et puis, il y a des murs qui se construisent autour de vous. Et vous, en ce moment-là, vous n'arrivez plus à entretenir des relations saines, des relations épanouies avec les autres. Parce qu'il y a un poison spirituel et qui tue votre âme. Un poison spirituel mortel pour vos âmes. Ce poison-là, l'amertume, ce poison-là est tapis dans votre cœur. Donc ça amène des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes spirituels. Et vous-même, vous êtes prisonnier. C'est pourquoi quelqu'un a dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et découvrir plus tard que ce prisonnier-là, c'était vous-même. Ce prisonnier-là, ce n'est personne d'autre que toi-même. C'est pourquoi tu dois te faire une faveur pour toi-même te libérer. Fais-toi une faveur. C'est vrai, pardonner, c'est difficile. C'est ce que tu me dis, vous vous dites dans votre cœur, certainement. Mais vivre avec la rancune et laisser l'amertume dans votre cœur, c'est encore plus difficile. Donc, entre deux choses difficiles, il faut prendre la voie qui te facilite la vie. Et c'est pourquoi, Hébreux 12, verset 14-15 dit, recherchez la paix avec tous. Pas parce que tu as forcément tort quelque part. Même dans ta raison. Recherche la paix. Ça, c'est la maturité. Ça, c'est la sagesse. Recherche la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Hébreux continue en disant, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une famille, par exemple, où le père ou la mère sont dans l'amertume, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dégager une atmosphère négative, non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur les enfants. Et les enfants prennent un coup. C'est là où nous voyons des enfants qui tombent malades. Ils tombent malades sans qu'on sache d'où est venue la maladie. Ils tombent malades et leurs études sont bloquées. Et en ce moment, on cherche la raison à d'autres niveaux. Mais regardez à ce qui se passe entre vous. Frère, regarde à ce qui se passe avec ton épouse. Regarde. Et vous n'imaginez pas que vos enfants là sont bloqués à cause de ce que vous êtes en train de faire. Libérez-vous. Libérez-les. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Mais ils sont en train de porter les conséquences. Et ça, franchement, il faut arrêter. Arrêtez tout orgueil. Humiliez-vous. Et c'est ce qui plaît au cœur de Dieu. Et vous allez voir la joie qui va envahir votre maison. Ça sera bien pour vous. Chacun sera heureux, content. Mais les enfants vont pouvoir vivre dans une atmosphère qui va vraiment leur donner la paix. La paix. Et leur donner aussi d'évoluer dans de parfaites conditions. Et comme la parole le dit ici, l'amertume est une racine. Invisible à la surface, mais ancré dans le cœur. La 15 pousse. Donc, et ça fait des dégâts. La sam dans ça fait des dégâts. Donc, dans ces
conséquence-là, sur le plan spirituel, si par rapport à Dieu, nous devons comprendre que, à partir du moment où il n'y a pas de pardon, tout se bloque. Et quand tout se bloque, c'est là où nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, dire à Dieu que nous ne voulons pas aller au-delà. Nous ne voulons même pas penser à la vengeance. Parce qu'une vengeance est une sémence. Quand tu te venges par rapport à une situation, tu es en train de créer des conditions pour que d'autres se vengent de toi. C'est pourquoi il faut extirper toute pensée de vengeance dans votre cœur. Extirper, enlever toute idée de vengeance et avancer par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Mais dire que ce n'est pas facile. Oui, nous savons que ce n'est pas facile. Pas facile. Et nous-mêmes, nous avons failli par moments être victimes du manque de pardon parce que nous ne comprenions pas jusqu'à quel point cela peut bloquer notre vie. Donc, protégez-vous, protégez vos enfants, spirituellement, protégez votre maison. Rappelez-vous toujours que le meilleur moment pour traiter un problème, c'est quand le problème est petit. À ce moment-là, règle ça rapidement. Et puis c'est fini. Tu es en paix. Il n'y a pas de honte. D'ailleurs, c'est de la hauteur comme nous l'avons dit. C'est de la maturité. C'est de l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons aussi dit que le meilleur moment pour pardonner, c'est au moment où tu es blessé. À l'instant même là, où il y a la blessure, la colère commence à gronder dans votre cœur. C'est en ce moment-là, même en grinçant les dents, pour pouvoir commencer à proclamer, je pardonne à cette personne. Ta proclamation va s'installer dans ton cœur. Et cela, par la grâce de Dieu, tu auras la force pour aller vers l'autre. Au moment où tu ressens l'offense, décide tout de suite là de ne pas te laisser blesser. Décide tout de suite d'aller vers l'autre. Fais-toi du bien toi-même. En réalité, c'est une faveur que tu dois te faire. N'attends même pas que l'autre vienne. N'attends même pas. Il ne faut pas attendre même qu'il vienne. Libère ton cœur. Libère ton cœur de ce couteau à double tranchant qui te blesse et qui blesse l'autre. Relâchez et ne restez pas là-dessus. Parce que vous voyez, le vrai pardon ne connaît pas de limite. Il y en a qui disent, oui, si on m'offense et 10 fois, 20 fois, bon, j'ai pardonné, mais après encore, la même personne vient vous faire encore du mal. Mais ils seront là pour vous faire du mal. Parce qu'il faut qu'ils vous éprouvent. Et que Dieu aussi sache si vous êtes obéissant à sa parole. Il faut des gens pour vous éprouver. Et pour vous faire grandir. Parce que apprenez à grandir. Et c'est dans ces choses-là que tu peux montrer que tu as un cœur soumis à la parole de Dieu et que tu n'es pas en train de dire « moi, je ». Parce qu'il y en a qui disent « mais comment on ne peut pas me faire ça à moi ?» On va te faire ça. Et l'ennemi va pousser des gens à te faire ça. Ils vont même t'insulter. Ils vont cracher sur toi. Puisque tu tiens à ta réputation. Il faut pas être toujours sans moi. Puisque tu tiens à ton moi. Faut y être un petit maman. On ne peut pas te faire ça. Mais c'est en ce moment-là que tu dois avoir la maturité. Il faut que ton moi là. Il faut maman. Meure. Qui? Tu tiens trop à ta renommée. Faut attendre de jour la sam. Tu tiens trop à ta réputation. Faut attendre faut jour plus de hit. Tu tiens trop à ta personne. Faut guetter nettement dit bon ma femme. Faut que quelque chose soit brisé. Len bom worzininga. Et au moment où tu es offensé à plusieurs reprises. La femme bière faut nor katekan. Tu dois comprendre que Dieu veut
plus on t'offense, plus tu pardonnes. Et le vrai pardon ne connaît pas de limite. Et Pierre s'est approché de Jésus. Et il lui a dit, dans Matthieu 18, à partir du verset 21, il dit, mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à cette fois, et Jésus va lui dire, je ne te dis même pas cette fois, mais je te dis, et 70 fois 7. Bon, faites le calcul, vous allez comprendre. 490. C'est 490 fois. Donc, il n'y a pas de limite. Tant qu'on va t'offenser, tu as le devoir de pardonner et de passer dessus. De passer sur l'outrage et d'avancer, et de grandir et d'avancer. Tu n'as pas le choix que de le faire. Donc c'est un pardon illimité. Tu ne dois pas cesser de pardonner. Bon, une autre chose, c'est que le vrai pardon n'impose pas de conditions. Pas moi dans un peu mal, pas contre ce que regarde. Guess what? Éphésiens 4. Éphésiens 4. Dit que nous devons le faire comme Dieu nous a fait grâce en Christ. Ton siaran qu'on soule on a mal au rem ton Christ pour avoir. Donc nous aussi nous devons faire grâce. Ton siaran mal au rem ne va pas avoir. On sait pardonner. Ah mais tout qu'on soule. On est dans la grâce. Faut bien le mal au rem pour avoir. On exécute la grâce. Faut tout donner le rôle des autres. On n'est pas en train d'appliquer la loi. Faut pas nier ton rem. Et puis le vrai pardon. La soule même c'est une dette dont nous sommes. Et nous sommes toujours redevables, nous l'avions dit. Il y a samedi là ton yaouda ton il est au quatre fois. Oui. Yawa. Toujours. Darfa. Et c'est ça. Il y a l'enda. Et quand tout cela se passe. La boum yaouda mande. Nous devons en ce moment là. Ton sir de quatre canya. Avancer. En jeng taouré. Et en évitant que et en se protégeant. La gousse n'a pas été dans quoi là de menga. En ce moment on doit dire. Quand ton sir stop à l'amertume. Ah surtout royales. Stop. Surtout royales. Parce que nous ne voulons pas être livrés au bourreau. Ton paraté, tu la pourras en partendo. Parce que dans le livre de Matthieu. Matthieu sur le pourra. Une parabole nous est relatée. Abkon ton solom gonbe. Et nous voyons comment. Ton ne toto. Un serviteur. Ten tumda ye. Devait des millions. Andatar millions à son maître. Samda jusoba liquide. Il n'a pas pu payer cela. Arapatun yaoumenya. Et quand la situation a été exposée. La yéla mwante toro sa jusoba. Le maître lui a remis sa dette. Jusoba liab sala samna mbatale. Mais quand lui il est sorti. La yikiyi tebala. Et qu'il a vu un de ses camarades. Nyan tumda taka ye. Qui lui devait une toute petite dette. Andatarine wakil pisi. Il s'est mis en colère. A souli gené. Il dit. Ta yéle. Pourquoi tu me payes ça? Yom pisi. Oubliant que le maître a fait en sorte que lui ne paye plus rien. Écoutez la décision du maître. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, verset 34, que son maître irrité le livrant au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Le maître a été irrité. C'est ainsi quand Dieu nous voit refusant de pardonner, il peut s'irriter. Puisque c'est clair, la parole de Dieu, c'est ainsi qu'il nous sera fait par Dieu lui-même. Si nous refusons de libérer les autres de les pardonner. En ce moment, les bourreaux, là, c'est quoi? C'est toutes ces situations qui se bloquent dans notre vie. Les bourreaux, c'est quoi? C'est toutes ces maladies qui viennent sur notre vie. Donc nous devons éviter d'être livrés au bourreau. Et donc regardez aussi, quand nous refusons de pardonner, le manque de pardon chez nous fait en sorte que les oreilles de Dieu soient fermées vis-à-vis de nous. Et c'est pourquoi, dans Marc 11, Marc il dit que lorsque vous êtes debout, en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi. Lorsque vous êtes debout. C'est pourquoi un jeune adolescent dit, ah, chaque fois que lui il lit ça, lui s'est dit que, donc maintenant en priant, il faut que lui soit toujours assis. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque vous êtes debout, non, on ne parle pas de la position assise, position debout physiquement. Mais c'est quand tu es prêt à élever des sujets au Seigneur, et que tu te rends compte
tu as une situation à régler, tu dois laisser tout cela et faire en sorte que tout soit réglé. C'est alors que la grâce de Dieu va se manifester pour toi. Donc, vous voyez, jusque-là, nous voyons que nous avons tout intérêt à pardonner, à ne pas laisser s'installer l'amertume dans notre cœur. Et puis, voici un autre aspect qui est très important. Nous voyons dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 10, il dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de Satan, nous l'avons dit, détruire, égorger, pour les gens. Et en ce moment-là, nous devons être intelligents pour ne pas laisser le manque de pardon détruire notre vie. Aussi, le manque de pardon et qui nous installe dans l'amertume, qui nous empêche d'être participants même de la nature divine. Parce que voyez-vous, la première marque de la nouvelle création, non, parle pipi bande. C'est l'amour. Y a non l'homme. On doit voir en toi l'amour. C'est rien, non, là, faut et pour... tu ne peux pas dire que tu marches dans l'amour faut et non, là, pour... refuser de pardonner. Il y a pas quoi parce que la parole de Dieu dit dans 2 Pierre 1, à partir du verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui nous a donné, ça contribue à la vie et à la piété. Nous devons avancer en nous appuyant sur la parole de Dieu pour ne pas être en train de marcher dans les ténèbres. Parce que là encore, en refusant de relâcher ceux que nous emprisonnons dans notre cœur et qui sont en train de nourrir l'amertume dans notre cœur, nous marcherons dans les ténèbres. Et nous le voyons dans 1 Jean 2, à partir du verset 9. Il dit que mais celui qui a de la haine pour son père est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Marcher dans les ténèbres, ça dit marcher d'un même pas avec Satan dans son royaume. Donc faisons attention pour que notre récompense éternelle ne nous soit pas volée. Faisons attention et pardonnons de tout cœur. N'attristons pas le Saint-Esprit. Et quand nous disons que nous avons pardonné, restons sur cette volonté et cette décision, ne retournons pas en arrière. Ne retournons pas en arrière. Parce que c'est important de se porter bien devant le Seigneur, de se porter bien. La parole de Dieu est claire. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Parce que la loi dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus nous a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et tout ça pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour être fils du Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu nous recommande d'aimer nos ennemis. Pas facile. Mais bénissez-les. Pas hypocritement. Il faut le faire de tout cœur. Et cela nous fait penser à cette chère amie qui était une veuve. Qui avait été trompé par des vraiment, et c'est triste de le dire, mais c'était par des pasteurs. Il y a 60 ans, c'est la pasteur de Manda Bielranzamba qui avait fait des démarches pour qu'elle puisse avoir et tout, que ses papiers, ses documents au niveau de l'administration se règlent vite. À Sidara Kabeta, Kenemanara, Sida Septa Tao, qu'elle puisse avoir une pension alimentaire pour elle et ses enfants. Il n'y a comme tout. Et donc, elle a fait confiance à cette personne. Elle dit, comme c'est des hommes de Dieu, il n'y a vraiment pas de doute qu'ils vont faire les choses comme il faut. Ils vont, en ce moment-là, et donner ce qu'il faut. Et quand toutes les démarches ont,
avait abouti. La moine de Kenti s'est pas fait manger ça. Et donc la bonne dame, la veuve, n'a pas vu la pension alimentaire. Pourquoi on a pour un panier pension pendant quoi? Quand elle est partie, ah, voir ce pasteur là, tu vois, pas ça, elle va se rendre compte que ce petit noyau de pasteur là, pasteur de avait partagé la pension alimentaire de la veuve. Pension à un puits tabendi. Et pendant des mois, le cette sœur là. Cette sœur là n'avait absolument rien à manger avec ses enfants. Elle est restée dans la douleur. Voici une situation, comme nous le disons. Ça aussi, c'est un cas pratique. Elle a été blessée. Et quand elle a voulu parler, ces gens l'ont chassée. Donc, elle a reçu une blessure. D'abord, une émotion, elle était fâchée. Et après, elle n'a pas eu d'autre réponse. Donc, elle a été profondément blessée. Elle se voyait jour après jour. Sans rien pour elle et ses enfants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'amertume, elle n'a pas pu pardonner à ceux-là qui ont fait à poser ces actes. L'amertume, donc, elle s'est installée fortement dans le cœur de cette pauvre veuve. Et donc, quand nous avons eu le contact avec elle, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment amère. Et on lui donnait plus que son âge. Parce que quelqu'un qui est amer, rempli d'amertume, tu vieillis plus vite. Parce que tu n'es pas content, il y a la tristesse. Et puis émotionnellement, il y a des choses qui ne vont pas entendre. Mentalement, il y a des choses qui ne vont pas entendre. Et cette veuve-là, elle était commençait à être malade. Donc nous avons fait un suivi avec elle. Pour l'encourager à arrêter toutes ses pensées. Et puis bon, un moment, et ça c'était difficilement. Après avoir partagé la parole avec elle et l'encourager à arrêter même de penser à ces choses-là, plusieurs mois plus tard, on s'est retrouvé et puis c'était lors d'un temps de prière. On lui a dit, ah, mais tout va bien maintenant. Vous me faites dit, oh non, maintenant là, je n'ai plus rien dans le cœur. Ah, non, non, tout est passé. J'ai pardonné et vous voyez, je me porte bien. Et vraiment, je rayonne parce que je n'en veux à personne. Oh, même ces gens-là, ils m'ont fait du mal. Là. Il n'y a vraiment pas de problème. Ils n'ont qu'à bouffer. Mais ce n'est pas un problème. Et moi, je compte sur la grâce de Dieu. Et donc, voici, et là, on était contents. On a dit, ah, gloire à Dieu. Ah, il a pardonné. Et vraiment, c'était difficile. Mais voyons comment la grâce de Dieu a aidé à pardonner. Et on a dit, mais maintenant, vous voyez comme la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que aimez vos ennemis. Bénissez-les. Et ne maudissez pas. Faites-leur du bien. Priez pour eux. Et donc bénissez-les. Pas bénir de la bouche. Et pas penser à autre chose dans le cœur. Et notre cher ami a dit non. Attends, allez, on peut prier. En tout cas, moi, je les bénis chaque jour. Il dit bon, ok, allons-y. Il dit. Ah, Seigneur, bénis ces pasteurs-là. Bénis-les. Eux qui m'ont fait du mal. Bénis-les. Et elle continue. Elle dit, Seigneur, la voix a commencé à changer. Elle dit, Seigneur, cette racaille de pasteurs-là, ces mercenaires-là, bénis-les quand même. Et elle ajoute, mais Seigneur, tu as vu, ils ont fait du mal à ta servante. Bénis-les quand même. Elle dit, mais ces mercenaires de pasteur, ces racailles-là, bénis-les Seigneur. Et elle ajoute maintenant, mais Seigneur, rappelle-toi hein, que c'est toi-même qui as dit dans ta parole que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Elle ajoute,
Mais passe. Seigneur, moi ta servante, j'attends de voir le charbon ardent que tu vas faire descendre sur la tête de ces pasteurs. Ça l'a huit, il y a un pasteur qui est un aïe. Là, j'ai dit à notre chère sœur, c'est bien. Mais c'est pas arrivé. La bataille. C'est pas arrivé. Ça veut dire qu'il y a encore l'amertume qui t'a piqué quelque part. Ah non, 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 non. Ça veut dire que ton cœur n'est pas vidé. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a un fond d'amertume. Tu as certainement pardonné. Mais regarde, quand on parle de ces gens-là, comment tu réagis? Le fait de ne même pas supporter qu'on parle de ces gens à côté et le fait même d'évoquer leur nom. Regarde, tu rentres dans une colère et tu ne te rends même pas compte que tu es en colère. Ça, c'est un signe que tu n'as pas fini de traiter ton amertume. Et beaucoup qui nous écoutent ce soir n'ont pas fini de traiter l'amertume dans leur cœur. Vous croyez avoir pardonné, mais ce n'est pas encore parti. Sondez votre cœur. Exposez votre cœur à l'Esprit de Dieu. Acceptez que l'Esprit de Dieu pose, mette le doigt sur des points dans votre cœur afin que par la grâce de Dieu, vous soyez exposé à l'action transformatrice de Saint-Esprit et que vous soyez libéré totalement. Et ce soir, nous prions que tous ceux-là qui sont dans ces situations, et nous savons qu'il y en a beaucoup, que le Seigneur dans sa grâce les aide afin que toute amertume soit délogée de leur cœur. Et nous prions au nom de Jésus que la grâce de Dieu les accompagne au moment où ils vont sonder leur cœur. Père, fais grâce, touche du doigt là où ça fait encore mal dans leur cœur afin que les conséquences sur le plan spirituel soient ôtées, parce que nous savons que tant qu'ils sont dans ces situations, ils ne peuvent pas être dans une bonne relation avec Dieu. Et c'est pourquoi Saint-Esprit manifeste la délivrance. Ce soir, manifeste la délivrance. Amène la restauration dans les cœurs. Amène la paix dans les cœurs. Et que l'amertume soit délogée. Au nom de Jésus que tu nous as dit. Que par le sang de Jésus, que les cœurs soient libérés. Que les âmes soient libérées. Et que à partir de cet instant, que le Saint-Esprit travaille à vous donner la paix, à vous donner vraiment un cœur sans amertume pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Nous vous aimons et vous apprécions de tout cœur et nous prions que le Seigneur vous accompagne et que votre lumière luise parce que toute amertume est ôtée de votre cœur, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.